1, 2, 3. Hello Mavé. Hello Mavé. Ok, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va juger les outfits incroyables du Met Gala avec Marcus Mavé. En fond, il y a Anna, elle et Rachel. Voilà, elles vont donner leur avis Rachel en dessous. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, elles vont donner leur avis en bac, genre si elles ont envie, parce que des fois, leur avis sont pas très importants. Du coup, elles vont bac à l'île. Non, mais le tien, il est important. Bah oui. Non. Du coup, on va commencer par. Moi, je trouve ça iconique. Franchement, genre, elle a dead. Elle était en Versace et tout avec des chaînes en or. Partout, genre. C'était grave beau. Après, franchement, si je devais donner une note. Même pour l'after. 9. Ouais. 9,5. Je vais pas donner 10 comme ça. On va donner 10. Elle a dit une autre tenue après. Ouais, pour l'after. J'ai pas donné la tenue pour l'after. L'after, c'était ça. Moi, j'ai vu que l'after. Ouais, non, franchement, je vais faire quoi. Mais c'est normal, c'est un after. Elle va faire un petit peu de couche pour un after quand même. On va faire quand même la première. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est normal, c'est une belle gala. Moi, j'aime les deux. Bah après, franchement, pour du coup, le capi rouge, je dirais 9,5 et pour l'after. 8 voire 7. Parce qu'en fait, c'est pas incroyable. Ouais, 6. Parce qu'en fait, c'est pas genre incroyable. Moi, je mets 7. Moi, je mets 7. C'est grave. Moi, je mets 8. C'est grave pour montrer sa silhouette. Oui, c'est pour montrer sa silhouette. Merci, merci. Kendall, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais. Alors, moi aussi j'ai bien aimé. En plus, elle a le corpo. Genre, voilà. En plus, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait avec ses sourcils. Je crois que je. Là, j'ai pas de sourcils, mais je vais tester un petit truc pendant les vacances. En 2, 2. Moi, franchement, si je devais donner une note 10 sur 10, 11 ouais, sur 11. 10. Oui, oui, parce qu'elle a dead, elle a respecté le thème. C'est la meilleure tenue. Ouais, c'était la meilleure. C'est la meilleure tenue. La number one. Du Met Gala, en fait. C'est la tenue. Cette année. C'est la tenue. Il y avait Rosalia, j'ai bien aimé. Rosalia. Ouais, bof. Les trucs là, l'espèce de haut ici, ça va. Ça va pas, c'est magnifique. Mais c'est vrai, les trucs sur les côtés, je comprends pas. C'est Moustika. C'est Moustika. C'est bon. Et encore, 4, c'est trop. 4, non. Je mets 3 la gauche 5. Je mets 3. Tu sais bien, 5. Mais bon, 6. Ok, c'est un carabacito. Donc, Kylie, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, pourquoi? Parce que. Tu vois? Bon, Kylie, j'ai bien aimé parce qu'elle a voulu représenter Virginia Bleu. Mais bien. J'aimais bien ça. Il a le sourd dans le dos. Oh là là! Vous voulez pas me laisser parler? T'en percé, moi. Voilà. Donc après, j'aimais bien. Attends, tout. Je peux les laisser parler. Juste le haut en mode. En mode avec des. Tu vois le mode. Dentelle. Voilà, dentelle en transparent et tout. Transparent. Ça, c'était pas. Mais j'aime bien la casquette un peu. Non, apparemment, la casquette elle a rien à voir dedans. Ta bouche, c'est bon. Je suis désolée. Ouais, j'ai bien aimé. Kylie, je mets un 8. Alors, moi, je mets 5 et encore. Parce qu'en fait, j'aime bien la jupe, ça fait extra. Genre, si encore dans l'outfit qu'elle avait, non, elle aurait juste eu gardé le but. L'after party, je mets 10. Tais-toi! Non, moi, je comprends pas pourquoi elle a mis un top avec. RTG, en fait, j'ai pas compris le but du haut. Est-ce donc? Non, franchement, le bas, j'aime beaucoup. Juste pour le bas, je mettrais 5, voire 6. Mais elle aurait dû garder le top et pas mettre l'espèce de t-shirt par-dessus. Je comprends pas. Ouais, et même la casquette, je sais pas compris le rapport en fait. J'ai bien aimé. En vrai, j'ai bien aimé, mais c'est juste que ça faisait un petit peu doudoune, mais bon. Genre, j'aimais bien. Moi, je trouve sans la doudoune, la robe magnifique, mais y'a rien en fait. Genre, c'est ça qui fait tout. Ouais. Genre c'était même pas une robe, c'était genre une cambie et tout. Genre en fait elle avait pranké à un moment donné, genre elle était comme ça et ensuite ils étaient en mode what the fuck, et ensuite quand elle a mis ensuite ils ont compris. J'ai pas aimé. En fait ça faisait un petit peu elf. Genre je sais pas. Moi je pensais viking, j'ai pas compris. Ouais, un truc genre elle aurait pu fermer. En plus c'était grave pas dans le thème.
C'est grave pas dans le thème. Regarde, vous c'est moche. Moi j'aime pas. Je comprends pas le but des épaulettes genre. Ah ouais, grave. Non mais sinon en soi ça va. Ouais, mais non, c'était pas dans le thème, c'était pas dans le thème. Ouais, j'avoue, c'était pas grave dans le thème parce que le thème c'était les Ouais, c'était les amis voilà, ce qui. Vous savez qu'il y en a très peu qui sont dans le thème hein. Ouais, mais bon, voilà. Cisa. J'ai pas compris le En fait, genre ça faisait un petit peu Famlenko comme si t'étais au Mexique et tout, t'avais la casquette au Mexique. Non, j'aime pas, c'est trop grand. C'est trop grand. Et puis, je sais pas, la robe, ça fait genre. Je veux bien. Ça donne un style avec le truc là. Ouais, oui, c'est pas vraiment dans le thème. La robe, la couleur est belle. Il y a pratiquement personne qui était dans le thème là. Oui, mais regarde, la robe, on aurait dit, tu vois, les trucs là, les papiers, avec les papiers crépons. C'est trop moche. Oliver. Ah non, Oliver. Oh, j'ai déteste. Déjà, je la déteste de base. J'ai pas compris ce qu'elle a mis dans ce truc là. C'était en violette. Des papillons. Non, ouais, c'était des papillons. En fait, les rats papillons, en vrai, c'est bien. Mais là, les rats papillons. En fait, tu vois, normalement, là, en ce moment, ils mettent des papillons pour comme top, comme truc des pantalons. Vous voyez pas les rats papillons? Attends. Juste waouh, en fait, moi, j'ai adoré. La robe, c'était magnifique dans la simplicité. Mais cherche au pire. Olivia Rodrigo n'était pas dans le thème avec sa robe bien non, ouais. Bien folle et dégueulasse. Non, arrête, en vrai ça va. Kendall, l'after party, ça ressemblait un petit peu à Victoria's Secret. Et je regarde tellement les défilés de Victoria's Secret. C'était un pyjama, mais ça ressemblait grave à Victoria's Secret, j'aimais trop. J'ai pas Moi j'ai adoré. Non. J'ai adoré. En fait, vous vous rendez pas compte que c'était. Vous vous rendez pas compte que c'était la robe de Marilyn Monroe en fait. Oui, certes, sauf que. Vous vous rendez pas compte en fait, je suis désolée. Elle a perdu. T'as pas vu le gros. T'as pas perdu le dos de la robe. T'as pas vu comment elle a perdu du cul. Elle a pas fait de la chirurgie pour son cul, qu'est-ce que tu me racontes? Les fesses de Kimka. Les fesses de Kimka, c'est pas de la chirurgie, vous avez pas regardé. Vous avez pas. C'est pas naturel ça. Est-ce que c'est naturel? Je vous jure, vous avez pas regardé les garçons. Ah non, mais vous avez pas regardé les garçons quoi. Elle avait fait une photo, elle avait fait une photo. Je vous jure, à un moment donné, elle a pas fait de bébé elle. Elle a pas fait de bébé elle. Je vous jure, elle avait. Tu as vu toi, ses fesses en naturel? C'est non, personne non, naturelle. Non. Ensuite, vous êtes dans votre monde, vous êtes des gars. Elle est plate, d'un coup, elle a mais pour tout cas, sa mère, elle est pas plate, mais elle est pas rose. Non, par contre, elle est venue en peignoir ou je sais pas quoi. À cause d'énormes, même un chiffon, c'est magnifique en fait. Non, je te jure. Alors, Mais j'ai pas tourné sur Kim. Donc moi je disais, c'est chouette, j'ai trop aimé. Franchement, le visage. Tout ouais, ça, en plus, elle a fait une teinture blonde. Ouais, c'était mais plutôt Peter Davidson à côté d'elle, il faisait tâche. On aurait dit, c'était le garde du corps et tout. Oh, j'avais envie de le foutre une calotte. Et je préférais qu'on était avec Kanye West. Parce que Kanye West, en fait, fait de la bonne musique. C'est un Il est milliardaire. Ouais, elle est avec Peter Davidson. Non, non. L'ancien bout de Rien Grande. Oh, vers la honte. Est-ce que t'as vu le dos de la robe? Le truc était ouvert grand avec attaché avec un fil. Bah, elle a pas parce que ça rentrait pas. Mais désolé, non. Moi, mais après, la robe, elle est belle. Qui a pris une robe d'une célébrité comme je ça pas. Je suis désolée. En fait, c'était pour. En fait, à un moment donné, non, ça n'a rien à voir. Il aurait pu faire une qui lui ressemble, mais pas prendre la même, ouais. Ah non, on est mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis la robe et ensuite, deux minutes après, genre quand elle a fini de faire les photos et tout, elle a redonné et ensuite elle a pris une autre. Attends, elle a pris une robe à elle. Non. Je change juste des personnes, Nicki Minaj. C'était. Ça fait corbeau. Ça faisait corbeau, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était grave pas dans le thème. Pour le coup. Si. Pour le coup. Pourquoi quoi ça oui, parce que après j'ai vu une vidéo sur TikTok où ils expliquaient sa tenue. Alors apparemment le bas et la casquette c'était pour rendre hommage en mode à l'époque c'est le sport qu'ils faisaient archi en mode comme le foot, mais c'était le polo et ils étaient habillés comme ça. Et mais après, en fait non, le thème du thème c'était robe en moyen Bridgerton, tu comprends? Bridgerton. Non, tu sais qu'il y avait deux thèmes hein, en soi. Oui, il y avait deux thèmes, mais en fait Anna Wintour, elle a validé le thème du truc. Et du coup, mais en fait, ils ont gardé le. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait les trucs Marilyn Monroe, tous les trucs qui rendaient hommage aux gens. Mais ils auraient dû prendre l'autre. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que personne n'était dans le thème de l'autre code. Genre, en fait, il y avait personne qui était. À part Billie Eilish, mais j'ai pas trop aimé sa robe. Hein. Moi non plus. Alors, genre, Billie, en fait, ça va. Ça elle va. Genre, en fait, c'est déjà, c'est pas beau, j'aime pas. Moi, la robe, elle était bien, mais sa couleur noire. J'aurais préféré si elle était en blonde avec la robe. En fait, je crois que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de l'avoir habillée comme ça. D'habitude, elle est pas. Ouais, c'est vrai, c'est plus style. Oversize et tout. Ouais, peut-être que c'est pour ça. Mais en soi, la robe, si elle était par exemple portée sur quelqu'un d'autre. Surtout pour la dernière fois, quand j'avais vu sa robe et tout, j'étais grave choquée et genre j'étais en mode.
Mais ça voilà. Fait pas Billy et tout, c'est pour ça que j'aimais pas trop la robe, genre. Mais en soi, mais en vrai, si c'est porté voilà. sur quelqu'un et que genre c'est voilà, même, j'aurais pu dire que ouais, genre. Mais en vrai, ça sort de sa zone de confort, donc ouais. c'est bien. Ok, maintenant on a Hailey Bieber. Hailey Bieber, en fait, j'aime parce que Hailey Bieber, elle est dans la simplicité et tout. Et genre, ça fait grave, ouais, ça fait grave un peu. Vous voyez les pyjamas, genre, grave. Les pyjamas Moi, j'aime bien la robe de Blake, je sais pas trop quoi. Elle a fait ça, en fait. Toi, t'es... Elle a fait ça. Et puis, Madeline Page, là, celle qui a joué dans Riverdale, la chérie dans Riverdale. Elle était incroyable aussi. Moi, j'avais pas regardé. Je savais même pas qu'elle était là. Elle avait... Mais là, elle a dette, c'est ma mère. Elle est dans C'était beau. Lina Chanson, c'est ma mère. C'est ma mère. Dégage de là. Lina Chanson, c'est le premier fan. Je suis le premier fan de Lina Chanson. Je vous jure, Lina Chanson, je l'aime. J'aime de tout mon cœur. Elle a dérespecté. Vous allez voir que je suis de talent. Elle a dérespecté la robe. De la dame qui chante. C'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Elle a c'est pas Marilyn Monroe, c'est Marilyn. Mais problème ou quoi? Regarde, c'est pas possible de devenir un mètre gala habillé comme ça, ouais. Je suis désolée. Non, mais attends. C'est pas beau, hein, c'est pas beau. Moi, j'aime bien. Attends, t'as vu son statut? Tu fous ça. Non, non. Ah, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'était la meuf. Comment on appelle ça? La sorte de. Iconique. Vous savez comment? Mais c'est qu'on s'en fout, on veut juste que c'est moche. Mais attendez, justement, c'est une histoire. Donc, la meuf. Kris Jenner s'est habillée en femme de Monsieur Kennedy. C'est le l'ancien président, je sais pas quoi. Oui, c'est lui qui a fait la tuerie. C'est Kennedy quand même. C'est qui Kennedy? En fait, elle a pris la route de l'autre en fait. Donc, arrête de me saouler, arrête de me saouler. Moi, j'ai bien aimé. Ok, bref. C'est bon. C'est qui? Mais moi, les parents ça là, non. Ça fait trop. Alors là, non. Bon, non. Non, moi je suis bien. Qu'est-ce que tu fais là? Elle a cru qu'elle allait dans la piscine. Alors, elle aurait dû mettre les bras. Elle a les bras. Mais c'est beau, mais dans le temps, quand tu fais dans le thème. Elle a dit c'était des bras. Attends, mais c'est beau. Je regarde pas pour les gars parce que je sais qu'ils vont pas faire des trucs. Ouais, c'est nul. C'est nul, les gars. Ne vous inquiétez pas, quand je vais aller au Met Gala, je serai une icône. Je vais faire des trucs de dingue. Tu peux dire, on peut le remettre. Oui, très clairement, c'est très très moche. Kylie Jenner, même si c'est pour un hommage. Gueule, Kylie Jenner, c'est ma mère. En fait, attention à ce que vous dites là. Mais, ok. Bref, Simone Ashley. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. En fait, le haut, genre, je trouve qu'il est bien dans le thème, mais là, genre, moi j'aime bien en fait. Moi j'aime bien aussi, mais ouais, ça fait non. C'est juste parce que elle était belle dans les bruits chanteurs, je veux dire un 5. C'est beau. Mais comment tu dans les bruits chanteurs, tu t'habilles comme ça alors que c'est un peu comme. Mais c'est comme Sylvie là. Je te jure, elle aurait pu mettre une robe de bruits chanteurs et tout. Je fais le film pour ça, tout ça. Je te jure, elle a fait le film. La fille elle est venue avec un vieux truc Valentino. Et s'il te plaît, tu t'habilles pas en Valentino en sachant que Valentino c'est grave. Un petit peu Espagne un peu. Je suis mais lui il a en vrai, t'aurais mis ça en after party. Pourquoi pas. Mais là comme ça. Quelle horreur. Mais en vrai. Ils avaient. Eux c'était simple à respecter leur thème, ils ont fait n'importe quoi. C'est quoi Tu vas chercher où ça? Je crois pas le principe là. Ah, par contre, non, j'aime pas. RT, Anna des Boss là c'est quoi ça? Non. Je vous jure, Valentino, ils ont fait de la caca, ils ont fait de la caca. Mais laisse-moi, on va tourner au fur et à mesure. Non, mais je veux voir la fille en violet, elle était grave. On verra. C'est la fille qui est dans le clip I Feel It. Ça fait trop, genre. Non, moi j'aime pas. Ça fait le truc Wonder Woman. Trop bizarre. Oui. Ouais, ça fait genre un parfum. Ok, pas lui. Bon, Josie Tanner, c'est quoi ça? En fait, on dirait Valentino. Non, mais moi j'aime bien. Vous savez pourquoi? Tu te souviens, tu vois la fille Princesse et Grenouille là, à la fin. Ouais, la princesse à la grenouille. Oui, à la fin. Tiana. Bon, bref. À la fin, ils avaient des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas dans le thème. Donc. Mais non, à la fin, partie, elle était trop belle. Vous avez jugé Addison Rae. De triche de Google. Parce qu'elle était là? Ouais. Non, faut pas juger. Addison Rae, pas besoin de juger. Elle était en mode, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Mais là, Edith, elle était belle. Moi, j'aimais bien. Il disait qu'elle était gothique. Je comprends pas pourquoi elle bouge son corps comme ça. Hein. Mais c'était pour rendre l'effet. Il fallait montrer que. Voilà, un t-shirt de Tupac. Et vous savez pas comment je me suis rehabillée. Ah, mais fallait me voir aussi, hein, pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre. Et je te jure, déjà j'ai mis deux trucs. Ensuite, j'ai fait, mais c'est dégueulasse. Bah, Chloé Bailey, je comprends pas. Non, moi je pensais que c'était une abeille à un moment donné. Je pensais que c'était une. J'ai vu. J'ai fait, oh.
Et elle a dit que c'était pour être un phénix, nanana. Mais ça fait trop. C'est une abeille. Attends, mais ça fait trop les vibes dans les arts de musée. C'est pas Chloé, c'est Ailey. Ouais, Ailey. Bailey. Non, c'est Chloé Bailey. C'est Chloé Bailey. C'est Chloé Bailey. Ah ouais! T'as pas écouté la musique qui fait Feel me like a dreamy. Ouais. Elle a sorti un nouveau. Taylor Hill. J'aime. Ça va? Elle est dans ouais, le thème. Ça va. Elle est dans le ouais, thème. Le bleu. Le bleu, il est trop beau, ouais. C'est le bleu. Pas, c'est quoi, c'est le bleu royal? Ouais. Mm-hmm. Faire canard, dans la salle, c'est que elle va nous tuer dans la radio. Non, ah non. Faire canard. Okay. En plus, c'est Sabrina Carpenter. Elle m'aurait dit bleu canard, j'aurais dit pourquoi pas, mais bon, là, on ne va pas. Sabrina Carpenter. Tu vas voir? Non. Ça fait quoi? En fait, ouais. Juste waouh! Ah non! Vous savez pourquoi il faut pas l'avoir dans la vidéo? Vraiment. Elle a déjà vu de merde! C'est mais pas ça? C'est déjà pas. Ah non, William! Femme ta bouche, elle est magnifique! Vous avez des problèmes, c'est magnifique! Moi, ça ressemble à une petite fleur et tout, elle était iconique! Femme zone, vous avez pas le goût de l'âme! Vous êtes magnifique! Non, non, y'a pas! Pépite. Oh non, on va parler de ça. Ça ressemble au petit truc. Camila Cabello, elle nous a fait quoi là? Dégueulasse. Oh, dégueulasse. J'ai rien à dire, c'était dégueulasse. Elle nous a fait quoi? Elle veut faire le printemps, ça va. C'est quoi? C'est oh, non, je te jure, je m'habille comme ça. C'est des vêtements que je trouve sur Chine. Mais... Bah, du coup, ils sont en train de me snap. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Yeah, si la fucking star parle, on dit les termes. Bisous. Ça veut dire quoi, on dit les termes? J'ai jamais compris.